Ça ne se voit pas, Aya. Ça tombe bien. Il faut qu'on discute, papa. Aya, je mange là et ça pique tellement. Je ne peux pas parler. C'est au sujet de mes études, papa. Je veux être médecin. Hein? Médecin? Aya, vraiment, tu n'as pas pitié de ton pauvre père. Et puis d'abord, pourquoi faire? Mais soigner les gens, papa. Ce serait très bien si tu allais déjà jusqu'au bac, hein? Et si après le bac, je veux continuer? Aïe, 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 tu me fatigues! Pourquoi tu es toujours en train de me désobéir? Les longues études coûtent cher et en plus, elles sont faites pour les hommes. Tu trouveras un mari qui s'occupera de toi. Papa! D'ailleurs, on est invité chez mon patron, je veux que tu vois son fils. Un bon gentil garçon avec qui il va falloir te lier d'amitié. Pendant que je priais tous les dieux de notre planète pour qu'il me donne un nouveau père, Bintou s'éclatait dans sa matière favorite, le sécouage de Tassava. Toto, tu décales trop bien. On dirait le roi du Zigribiti en personne. Tu dis ça pour me flatter, ma fille. Non, Toto. Si on m'avait dit que j'allais te rencontrer dans un maquis de jeunes, en tout cas, merci de m'inviter à danser. Ma fille, de temps en temps, c'est bien de se flotter à la jeunesse. Ça conserve. Et si tu continues à te tortiller comme ça, tu vas me tuer. Mais vous là, faites attention avec vos grosses fesses. Pardon, Yacette. Kofi. Bintou. Papa. Yacette. Qu'est-ce que tu fais sur ma fille? Toi, mon meilleur ami? Mais rien, Kofi. On ne faisait que danser. Tout comme toi, d'ailleurs, avec cette jeune fille qui est sûrement aussi la fille de quelqu'un. Je m'en fous. Tu devrais avoir honte, espèce de cafard. Moi, cafard? Et toi, ta tête plate, on dirait Magouya. Tu m'insultes en plus? Tu vas voir. Ah.